Seigneur, on n'avait jamais vu ça. L'effondrement de 6 000 mètres cubes de terre à l'entrée du célèbre gouffre des Espélieux. Ouh, je vois rien. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bon. Il y a le truc qui me gêne là. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. La mémoire, l'attention ou encore un raisonnement plus aiguisé. Illustration avec Sarah Bernuchon, Pierre Marie. Vous me reconnaissez? Bon, Marie-Josie. Depuis toujours, les mélodies apaisent dès le ventre de la mer. Merci TikTok. Quel effort. Alors. Vous me dites si vous m'entendez, si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît. Est-ce que vous... Bonsoir, bonsoir. Non, je suis pas, je suis une grand-mère, une mamie. Pas une jolie dame, une mamie. Bonsoir. Coucou, coucou. Je pense que vous avez pu lire quel est le titre de mon live ce soir. Et pardonnez-moi si je m'embrouille un peu. Vous m'entendez bien? Ah oui, d'accord. Ok, merci. Merci. Excusez-moi si je m'embrouille un peu. Merci, merci. Voilà, merci, c'est confirmé. Parce que je n'ai pas fait de live depuis... J'en ai fait qu'un, il y a un an. Depuis que je suis dans TikTok. Et je voulais essayer de faire un live en direct. Je vais essayer de faire mes lunettes. Mais je sais pas si... Voilà. Et je vois pas. Je peux pas lire sans mes lunettes. Excusez-moi. Hein. Donc, j'ai pas l'habitude des lives en direct. Mais vous avez vu mes vidéos, mes prières. Je suis pas là pour faire du charme. Je dis la vérité. J'ai passé l'âge. Donc, je suis là pour le sujet de ma question que j'ai laissée sur le live. Croyez-vous en Jésus, Fils du Dieu Père, sans l'avoir vu? Voilà, je veux parler de ça à la jeunesse. Principalement à la jeunesse, parce que moi j'ai des enfants, des petits-enfants, et j'ai envie de savoir comment se porte la jeunesse en France, dans mon pays, mais aussi dans les autres pays du monde. Hein. Vous pouvez venir des autres pays du monde, mais je pose cette question mondiale à l'époque où tout va mal. Croyez-vous en Jésus, sans même l'avoir vu? Répondez-moi à cela. Et qu'est-ce que ça peut bien dire, en fait? Que l'on croit en Jésus ou quelque chose là-haut, les énergies cosmiques? Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire de croire en Jésus sans même l'avoir vu, voire même ressentir? Merci de vos réponses ou de vos questions. Je ne prends pas en direct hein, de gens. Vous me... Voilà, c'est très difficile de se montrer. Voilà, vous me comprenez, j'espère. Bah, excusez-moi, je suis en train de lire. Parce que je veux bien enlever mes lunettes, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne peux pas lire. Je ne vois rien du tout, d'ailleurs. Je ne vois plus. La musique stimule le cerveau, mais pourrait-elle un jour le guérir?
C'est bien, merci Carole. Merci. Et merci. Merci, je vois ton âge, c'est bien de me l'avoir dit. Tu crois sans l'avoir vu, d'accord, c'est super, c'est super. Mais qu'est-ce que tu ressens ce moment-là alors, quand tu pries, Carole? Tu ressens quoi puisque tu ne l'as pas vu? Qu'est-ce que l'on peut ressentir quand on prie Jésus sans même l'avoir vu? C'est là, et c'est là la sensation, elle est magnifique. Ça peut aider beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je ne sais pas c'est quoi qu'on me dit de faire. Tu peux maintenant épingler un commentaire. Appuie sur un commentaire pour l'épingler. Mince, c'est pas comme ça. C'est pas fastoche. On me dit d'appuyer, pardon. Bonsoir Marco. Et toi alors, quel est ton sujet, Marco? Je dis que celui qui me pousse à le connaître, il m'appelle à lui vraiment. C'est que... Oula, c'est compliqué tout ça. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là. C'est compliqué. Donc... Ce qui me pousse. Parce que tu le ressens, Carole, parce que tu le ressens. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que tu le ressens. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ce que je voulais expliquer à la jeunesse, que c'est pas le fait de prier. C'est pas le fait de prier 10 prières ou 20 ou 30 d'un seul coup. C'est pas ça. C'est pas le fait de... comment dire? C'est ressentir la sensation de sa présence. On m'a dit de l'inviter, mais je ne sais pas comment. Voilà, c'est de ressentir sa présence. Bonsoir, bonsoir Francis, pardon, c'est mon deuxième live depuis un an, hein, je n'ai pas l'habitude, vraiment, il faut du courage. Bonsoir Francis, ben, de même, sois béni aussi, bénédiction à tout le monde. De toutes les façons, on est là pour s'offrir des bénédictions, il faut en profiter puisque le Seigneur Jésus est toujours présent là où on est à plusieurs, il le dit, voilà. Donc, Carole, je disais que oui, croire en Jésus sans même l'avoir vu, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On fait le Notre Père, on n'a pas vu Jésus. Mais alors, c'est encore mieux quand on le ressent, parce qu'on sait qu'il est là à coup sûr. Mais on le ressent 24 heures sur 24. Ça veut dire que notre prière, même si elle est simple... Si notre prière, non, il ne faut pas monter, hein. Non, je ne fais pas monter quiconque. C'est mon deuxième live en direct. En plus de ça. J'ai pas l'habitude, il faut me laisser respirer, parler avec vous, parce que
invités à rejoindre le live. Non, je suis myope. Je vois rien du tout. Bah, c'est mieux comme ça. Comment je vais enlever ça, moi? Comment je vais enlever ces gens-là? Bonjour! Bonjour! Bonsoir, bonsoir. Et en fait, je fais monter personne. Ah, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Bonsoir. C'est vous qui êtes venu. En fait, je ne sais. Oui, je me suis trop allée. Je me suis trompée, hein. Encore la jeune fille, bon, ça, c'est pas grave, mais je ne fais monter personne, je suis, oh là là. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Ah, bah attendez. Mais c'est vous qui êtes montée sur notre live. C'est vous qui êtes montée, madame, il faut que vous cliquez sur le bouton en bas. Attendez, attendez, alors attendez, je vais l'enlever, vous inquiétez pas.